devant le lycée, devant le lotissement, pendant le bras, mais il est tout mort. Pauvre bête, regardez, regardez où on est. Voilà, normal, dans Compiègne. Tiens, puis le... Oh, de là! Bougez! Bougez! En meute! En meute! Foutez encore le bordel chez les gens, près du lycée et tout. Vous avez pas d'âme, hein? Vous avez pas d'honneur. C'est de votre faute, s'il est là, c'est de votre faute. Vous chassez pendant le bras, vous foutez le bordel tout le temps. Partez, non, monsieur, la forêt n'est pas à vous et la ville non plus. C'est vous, sa mère. Pourquoi ils se barrent pas? Je sais pas, j'ai pas. Là, il est cuit, il est cuit. Allez, va. Vous remballez vos chiens et puis vous écartez. Ouais. Ça, j'ai coupé tout, bah, on a fait les keufs, on a appelé tout le monde. Valoise et la Compiègne, à quel point que. On a fait appel à un vétérinaire qui va bien évidemment le piquer pour l'endormir et il sera tiré, je dis pas tiré, abattu, mais tiré par l'ONF ensuite qui le prendra en charge, endormi. On va aussi dégager les chasseurs qui attendent sur le chemin du cerf. On le fait pour tout le monde. On le fait jusqu'à la fin. Mais il n'y a pas de veto, tu... Le filet. Ah mais il le chasse ce con. Putain, il fait quoi? Il va où? Ils vont le tirer. Qui a fait ça? Les mecs, les cons! Il, putain! Attends. Il faut qu'il puisse venir de l'autre côté. Quelle bande de connards! Okay. Préparez-vous à aller là-bas. Laissez-le. C'est bon. Faites gaffe, hein, il peut faire un tour. Il sera reparti sur la gauche, je veux faire la forêt. On y va pour voir s'il n'y a pas des veneurs qui l'attendent comme des chacals. Ok, bonne idée.